Notre âme est une toute petite partie de l'âme universelle. Elle se sent donc si limitée, si étouffée dans notre corps physique, que son seul désir est de pouvoir s'étendre dans l'espace infini. On s'imagine en général que l'âme tient tout entière dans l'homme. En réalité, non. Seule une petite partie se trouve dans l'homme. Tout le reste est en dehors de lui, et même une vie indépendante dans l'océan cosmique. Mais comme l'âme universelle a des projets sur nous, et souhaite pouvoir nous animer, nous vivifier, nous embellir, elle travaille à se faufiler en nous et à nous imprégner de plus en plus de sa quintessence. Les humains doivent savoir que leur âme n'est pas limitée. Elle existe en dehors du corps physique. Et tout en continuant à l'animer, elle voyage pour visiter les régions de l'espace et les entités lointaines. Notre âme dépasse infiniment ce que nous pouvons nous imaginer d'elle. Et cette partie de l'âme universelle qui est en nous s'étend sans arrêt vers l'espace, vers l'immensité, vers l'infini.